Salut tout le monde, c'est Wall. Salut tout le monde, c'est Stallone. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo exclusive d'Azura, donc grosse vidéo qui va être longue. On va déconner, on va peut-être même dormir, on va peut-être même mourir. Plein de choses prévues. Sans jaillir, puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Oui, et on a le droit de le dire. Et on reprend Azura là où on s'était arrêté, donc ça a été demandé par beaucoup de gens, donc bah du coup... On fait la suite. Voilà, donc fin du combat avec Carlo, on atterrit en mode météorite sur la Terre. Voilà. Et on se réveille. Ah, une source de chaud. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la fin, bah, on vous invite à regarder notre précédente vidéo d'il y a un mois et demi. 8 ans. qui était vieille et du coup, bah, pour vous faire plaisir à tous, voilà, on fait une belle vidéo pour avoir la suite d'Azura. Exactement. Avec toujours nos commentaires, sachant qu'il y a toujours nos commentaires. Et sachant qu'il y a toujours les sous-titres, donc pour ceux qui veulent pas nous voir, eh ben, vous avez les sous-titres qui racontent quand même l'histoire, c'est important, sachant qu'on vous parlera de l'histoire évidemment au fur et à mesure. Ça fait très gay, il y a son maître qui s'approche de lui nu dans une source de chaude avec un petit nuage de vapeur au niveau du... Exactement. Et j'en profite pour dire aussi que vu que Naruto, personne n'a redemandé qu'on fasse la vidéo de Naruto, je pense qu'on va pas continuer parce que c'est très long encore. C'est très très long, trop long, et donc je pense qu'on est tous d'accord. Et on peut vous dire comment le jeu finit si vous voulez avancer. Non, peut-être pas quand même. Parce que là, ça va spoiler tout le manga. Oui. C'est le vrai sens de la vie, c'est de prendre un bain chaud. Non, c'est aussi... Fringué, hein, habillé. Hein. Mais non, il est pas habillé. Bah, elle dure assis. Oui, non, mais c'est une jupe qu'on avait vue. Ah, c'est vrai. Donc là, il appelle sa mère. Non, je déconne. Bienvenue. Alors c'est un jeu Peggy 18, on si appelle... Si tu remarques juste, non je vais pas le dire parce que... Mais... Dis-moi. Si, il faut le dire. En fait, c'est là où tu vois que c'est un jeu, c'est parce qu'elles sont exactement foutues pareil. Oui. Voilà. Oui d'accord. Je ne dirai pas ce que j'ai regardé, si j'ai regardé les bras, les cheveux, le vent... C'est difficile de réussir les QT dans cette scène-là parce que on a souvent les yeux ailleurs. Je déconne, hein, je l'ai réussi trop bien facile, j'ai même eu un succès quoi. Pas de beaux yeux tu sais. Est-ce qu'à un moment il faut utiliser tes sticks pour faire... Ouais, regarde. Voilà. Bah, te cache pas, coquine. Ah oh, bah, dis donc, succès. Quelle belle vue. Ah bon, j'avais déjà fait celui-là. Regardez, voilà. Boire, cul sec. Voilà, bah alors la pauvre. Écoute, faudrait qu'elle dilate tout ça. Non, je suis désolé. Non, alors là, non. Ça, non. Alors là, non. On a dit que c'était une vidéo... on partait en délire. Qui vient quand j'ai les cul secs, hein, tu vois. Je vais l'éclabousser un peu. Avec de l'eau. Pas avec ton vin. Ah, elle aussi, elle t'éclabousse du coup. Oh, coquine, va. Alors. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse, on s'éclabousse. Je suis un taulier, moi. Deuxième cul sec, mais elle remplit rien. Donc, c'est-à-dire que tu bois de l'air après, ça se passe comment? Je préfère pas de l'eau. On peut regarder, tu vois, il y a l'autre. Donc là, elle a l'air vraiment contente. Hein. Pochon. Ah, je suis bourré. Encore succès. Ok. Alors, on va juste boire un coup pour vous montrer un peu les différents trucs. Donc là, je prends le petit godet, qui ne sert à rien puisque j'ai pris deux gourdes avant. Ah, je vais faire un cul sec dedans. En fait, sert. Mais ouais, non mais c'est top, tu fais des culs secs et c'est le, que les trucs s'en font. Moi là, je leur réclabousser un petit coup là. Tu veux leur réclabousser un petit coup? Allez, je t'éclabousse coquine. Voilà. Alors il faut savoir que si je fais se lever, ça va finir tout de suite, sauf que je vais vous montrer qu'il y a encore un autre succès derrière. Faut boire encore un peu. Trois succès dans la mission quand même. Hein. Voilà, donc ça va pas bien. Ah, je vais être bien frais pour le combat moi derrière. Oh, ça va pas bien là. Oui, si ça va. Ah ça, là, c'est compliqué. Alors hein. Il faut savoir que l'abus d'alcool, c'est pas bien du tout. Hein. Et c'est dangereux pour la santé, et il faut boire avec modération. Exactement. Donc, pour tous ceux qui le connaissent, on vous invite à nous donner son numéro. Parce que ça fait pas du tout comme ça, hein, quand vous buvez, hein. C'est pas tout rose avec des filles avec des grosses poitrines à côté de vous. Hein. Non. C'est pas du tout bien, donc faites attention, prenez soin de vous. Voilà. Donc là, j'ai la furie. Ah oui, tu peux déclencher ta furie. Exactement. Voilà. Oh là. Moi, je alors la suite de la vidéo va être sponsorisée par Durex, attention c'est parti. Oh là il s'est levé là. Coquine. Excellent. Voilà. Donc une mission détente dans Azura, ça fait plaisir. Moi ce que je trouve très drôle en fait dans les choses comme ça, c'est que t'as des nanas. Elles sont là, elles se foutent quasiment à poil, elles te serrent, elles t'éclaboussent, elles te touchent la main, elles te caressent. Par contre, dès que tu veux passer à autre chose, oh mon dieu, mais il est fou cet homme! Bah, connaissant le Azura, s'il s'énerve un peu, ça va finir. Enfin, voilà quoi. Donc lui c'est un taulier, un pilier de bar, il est pas bourré, rien du tout.
Il est vraiment classe ce perso, j'aime bien. Il a cassé la tasse, le con. Ah lui, il crache sur le chef en fait. Voilà, exactement. Il s'en bat les couilles de son plan. Ça débile. Ah, son grand. Je pense qu'il va s'énerver du coup. Non. Alors ça, tu vois, aucun rapport. Ici, c'est l'empereur. Oui, mais aucun rapport avec... C'est parce qu'en fait, j'ai sélectionné toutes les images qu'on a débloquées. Donc, ça met pas que celle où... Ah, il y a une petite phase... Souvenir. Ouais, j'ai encore oublié. Encore des singes, quoi. Ouais, Moi, je vais donner, il y a trois types d'ennemis dans ce jeu. Les singes, les tortues. Il y a les singes, les tortues et les dieux. Et des fois, ils nous mettent un éléphant. Je sais pas pourquoi. Il faut tuer des animaux, quoi. Non, mais moi, je trouve ça plaisant. Mais la planète des singes, s'il te plaît. J'aime pas les singes. Non, mais autant Azura, il y a un fond qui est plutôt pas mal et t'as envie de voir la suite, ce qui va se passer. Mais autant au niveau du bestiaire, je veux dire, les gars, ils ont fumé quoi avant? On va se faire une vidéo, les gars. On va foutre des singes, des éléphants. Et non, on va pas faire Barbie aux zoos. Non, on va faire Azura's Wrath, les gars. Non, mais clairement, à part les combats de boss dans le jeu, c'est pas intéressant. Là-bas. Non, c'est clair. Hein. Je suis désolé. Donc c'est... voilà, c'est très ergonomique comme position de course. Courez comme ça, vous allez voir, ça détend vachement. Là, tu dois aller dans la caverne, je suppose, non? Bah écoute, non, je pense que je vais prendre un pique-nique par là-bas, mon dieu. Sur le dos, là, c'est sympa. Je peux pas y aller. Ah, ça c'est bien fait, ça. Ça c'est bien fait. Bon, on va pas revenir sur les défauts du jeu, hein, on les a déjà vus. Bon, si on les a pas vus, on va pas en parler. Enfin, le défaut du jeu, c'est le gameplay, quoi. Allez, qu'est-ce que tu fais? Non, le gameplay sert à rien. Les QTE sont sympathiques, par contre. Ah, tu vois, regarde, rhinocéros. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a que des singes? Ils sont tous impurs, hein. Eh oui. Ça, c'est à cause de la pollution, tu vois. C'est comme ça qu'ils vont devenir nos rhinocéros après. Tout rouge. D'accord. Et tout pas content en plus. Va falloir faire gaffe pour les parcs safari, hein. Ok, alors je suis en train de me faire dépenser comme une chine. Ouais, mais tu perds pas de vie, c'est pas grave. Parce qu'Azura ne perd pas de vie. Bah non, c'est un dieu, bon, quand même, un rhinocéros, tu puisses lui faire. En même temps, tu sais que la corne du rhinocéros. Oui, attention, point culture. La corne du rhinocéros est très solide, voilà, c'est tout. Non, j'avais rien de. Ah, mais même sa peau, dire, même sa peau. Hein. Même sa peau, c'est pas une peau, c'est une carapace. Ouais, c'est super dur. C'est pour tous ceux qui ont déjà touché un rhinocéros. Big up. Big up. Big up pour tous ceux qui ont touché un rhinocéros. Voilà, caramel. Caramel. Hop, oh, Gundam style. Hop, oh, hop, oh, hop. Oh, vas-y, viens. Hey, sexy lady. Allez, contre, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, pas Gundam style. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, lui, sexy lady? Donc, on peut voir que les rhinocéros sont venus à chier. Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Mais y aura-t-il la maman rhinocéros? Ah non, on a dit qu'il y avait trois ennemis. Qu'est-ce que ça va être, du coup? Un éléphant. Ou une tortue. La tortue, gagnée. Bon, ça va encore être une tortue, là. C'est une blague. Ah non, c'est la tortue. La tortue. Ah non, d'abord les singes, autant pour moi. Et ils veulent pas nous faire une singe-tortue? Ah non, on va pas d'hybride, attends, ça pourrait faire une créature en plus. Ah, tu vois? Il y a quand même maman rhinocéros. Ah non, c'est pas maman rhinocéros, c'est le rhinocéros. Ouais, mais c'est la maman, elle. Ah putain. Prennent cher les singes, hein. Mais les singes aussi, ils dépendent trop du mantra. J'en sais rien, je dis ça. Bah non, ils ont pas de mantra, les singes. Ouais, non, mais c'est que le mantra, c'est l'énergie que les gens fournissent quand ils font des prières. Donc, ouais, c'est vrai. Ah, t'as déjà vu un singe prier, c'est vrai que c'est con. Bah, à part Mookie, qui en est capable? Bah, Mookie. Mookie, c'est déjà pas mal, franchement. Je sais même pas qui c'est, Mookie, mais... si, c'est un singe, je sais pas, avec le film où il y a Cantona et Villeray. Je l'ai pas vu. Ah, vu Mookie. Le film, il s'appelle Mookie? Ça. Le film, il s'appelle Mookie? Ouais. J'ai pas vu Mookie. Pas vu Mookie. Pas vu Mookie, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Mais je te le dis. Oh là. Allez, c'est la fête du slip, tout le monde s'envole. Allez, Fury, parce que ça me fout. Pokémon. Tout ça pour ça, hein. Le mec, il a accès à la foot, t'as dans un mur. Et là, les ennemis ont disparu. Bah, ça fait flipper, hein. Moi, j'ai un mec qui rentre comme ça. C'est vrai. En tant que rhinocéros trentenaire. Célibataire. Et célibataire, qui quand même est sur un bon coup, hein. Sur un bon plan, et pas que, non, le bon plan sympa, genre l'amour éternel. La tortue.
C'est vrai que on se dit qu'il vaut mieux y aller quoi plutôt que périr. C'est bêtement. Vrai que c'est très con au niveau du bestiaire, j'avais jamais fait attention parce que bah moi je jeu, moi c'est le point quand j'ai fait le jeu, j'étais vraiment à fond dedans. Mais c'est pas la même tortue, j'ai l'impression. Mais on l'avait pas buté la tortue? Non, mais il y en a plusieurs des tortues. Ah oui, voilà, c'est des bah c'est super tortue de combat hein. Ah oui, c'est ça la tortue où ça met 4 plombs pour bah c'est juste la fureur voilà. Vraiment, enfin, quand t'auras ton coup Y, après ça monte plus vite. Voilà. Ça monte plus vite. Plus vite. Ah, ça monte plus vite. Le souci en fait, c'est que. Voilà. Dégage. Ah, m'a touché. Toi aussi, t'as dégagé un peu là. Le souci, c'est que j'aimerais bien lui taper la tête, sauf qu'elle monte tout le temps son cul, et le système de lock ne te permet pas de viser la tête, mais plutôt le milieu de son corps. Oui, mais c'est le système de lock qui est très bien fait aussi. Voilà, parce que tu vises la hitbox du monstre. Et en tu fait, ne peux pas déloquer. Sa hitbox, si, je peux déloquer. Ah bah alors voilà, pourquoi tu ne déloques pas? Parce que c'est injouable, pas vrai. Bah parce que c'est plus chiant, parce qu'il peut taper n'importe où. Patate, ça. Toi, je suis un peu. Vas-y. Eh, hey, trop tard. Tu vois, parce que si je ne bloque plus, là, c'est la mort en poule. Ouais. La mort en poule. La mort en poule. En poule. Tu vois une poule? Je vois le mec, il meurt en poule, quoi. Voilà. C'est... Tu meurs, ça fait une poule. C'est con, quand même. La phase assez chiante, parce que la tortue ça m'a fait casser moi. Oui, enfin, il faut savoir que les phases avec la tortue sont assez chiantes. Hein. Je t'invite à parler plus fort, pardon. Ah, d'accord, faut que je parle plus fort. Ça captait pas bien. Ma captance était mauvaise? Mauvaise, non, mais il faut qu'ils entendent tout ce qu'on dit, les pauvres. D'accord. Alors, je disais, la tortue ça m'a, c'est une phase chiante. Mais obligatoire, je ne peux pas la passer. J'essaie de lui atteler la gueule le plus possible. Hein. Non, mais tu fais bien. Je pense que c'est important de la télé. Elle est où cette tête là, putain. Là. Ah, il y a un rhinocéros comme qui arrive. Mais il revient, parce qu'il s'est dit finalement ma copine. Faire. Finalement la nana, je vais la voir, elle même bah, pas. Tant qu'à faire, je vais peut-être loquer le. Ah bah non, faut que le rhinocéros. Ça. Ouais, mais là j'ai plus Y, voilà, je fais chier. Je pourrais peut-être loquer le rhinocéros pour gagner de la furie. Exactement. Alors c'est vraiment limité, voilà. Petite tortue là. Tiens, si j'arrive à faire une deuxième fois, c'est pas nickel. D'accord, on peut pas. Apparemment, le rhinocéros est mort. Là. Ouais. Bon, bah écoute, tu n'as pas trouvé l'âme sœur et en plus tu es mort. C'est pas top quoi. Alors là, voilà. Là, ça marche pas mal là. Ouais, parce qu'elle était comment dire, stun, enfin, étourdite. Étourdite, oui, c'est le mot. Étourdite. Elle est étourdite. Mais t'as raison, c'est bien. Ah bah non, il y a un rhinocéros qui est revenu. Ouais, hein. On l'a vu là. Il a fait une petite apparition. Coucou, t'es moi. Il est passé devant là. Ah bah tiens. Oh forêt, putain. Chope le rhinocéros là, il m'emmerde lui. Il défonce juste sa gueule à lui là. Mais putain de tortue de merde. Le rhinocéros qui a rien demandé, tu vois. Je sais même pas pourquoi il vient. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fous là toi? Hein Didier? Dis donc. Ah voilà. Oui, c'est Jean-Paul lui. Bon parfait, c'est la grosse qui ment. Bon c'est bon là, je vais avoir la furie. Ouais. Furie. Ah là, tu t'es éloigné très vite pour revenir. Ya Shoryuken Hado Ken Ken le Ken, voilà. Donc il a fait ça en deux coups, alors que moi ça fait 10 minutes que je suis dessus quoi. Va comprendre. Bah non. Super Saiyan Super Saiyajin 2. Là il y a les cheveux qui poussent et tout. Où sont-ils? Où sont mes ennemis? Attends. Voilà, il fait pifou, mais. Là, il y a Bambi qui va arriver en mode 100% impureté. Tu vas pas rigoler longtemps, je te dis. Attends, regarde. Oh! On l'avait jamais vu celui-là. Un poisson. Le poisson! Non, mais. Le poisson! Non, mais stop! Sky. Ah, il va nous avaler le poisson. Et on va lui casser la prostate. C'est quoi, on l'a même pas vu quoi. Trop violent. Ouais, je pense. C'est ça. Oh allez, on se tape là. Non. To be continued. Et la continuité, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on est bon quand même. Hein. Putain, c'est fort, hein, en chocolat presque. Hein. C'est au bout de 15 minutes pile que vous allez voir, donc,
la sutra suivante. Yeah. Et on continue sur Azula. Azula. Voilà, j'aime bien dire Azula. Voilà. Excuse-moi, j'étais totalement... Bon, ça tu peux passer, on s'en fout. Hein. Et Bobby. Donc, Eh ben je sais pas ce qu'il a Bobby, moi. Ça passe aussi, ne les spoil pas, ne les spoil pas, passe, vite. Excuse-moi, excuse-moi. On a juste vu qu'ils allaient s'affronter sur la lune. Ça fait loin, hein. Bon, non, sérieusement, ils s'affrontent pas sur la lune. Ils s'affrontent sur la lune. Ils vont s'affronter sur la lune. Bah, pour éviter de tout casser, quoi. Les gars, ils se vénèrent, ils sortent de leur jacuzzi, ils sautent sur la lune. Et pourquoi ils disent pas on fait tous, on fait l'amour, et ils sont les deux nanas, et ils passent une bonne soirée et c'est fini? Parce qu'ils ont toujours envie de se foutre sur la tronche. Ils disent qu'ils sont pas fait les deux nanas avant de partir. J'aime bien les musiques. On peut voir que c'est pas la même chose, hein. Peux arrêter? Pardon. Merci. Non mais les musiques sont quand même sympas. Et maintenant c'est lui quoi. August Oza. Attends. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Ah oui, ça y est, il a refait pousser ses bras. Qu'est-ce que tu fais toi? Joue pas au fou. Tiens, monte vite ta rage. Je suis un fou quoi, tu me connais pas. C'est bien, ça monte vite, ça fait plaisir quand ça monte vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, explique-moi. Mais ça, c'est pas le combat que tu fais dans la démo? Si. Qu'est-ce que tu vas faire, négro? Hein? Alors, je me rappelle, dans la démo, moi, on touchait pas une bille à chaque cutter. Bim! Bim! C'est comme Yasha, quoi. Yasha, on s'est bien fait fumer dans le jeu au début, hein. On s'est bien fait éclater méchant, hein. Donc là, oui, alors attends, on va essayer de faire les commentateurs comme dans les jeux de baston. Et oui, donc là on voit Azura qui va passer, attention, avec, comment il s'appelle l'autre? August, avec Ozu qui tente, avoir un coup de poing, attention, c'est la punition pour Azura qui arrive, qui lance le Shoryuken, qui se fait envoyer, ça marche pas du tout quoi. Et qui fait envoyer le Hex en plein dans la gueule, paf, c'est le demi-tour, avec Azura qui se reprend, un coup d'August en essayant quand même de passer par la gauche, il tente le double dash. Attends, je vais faire le pari. Et c'est l'attaque spéciale avec l'Hex de Azura. Qui contre derrière et pouf, Shoryuken. Ils disent pas pouf. Et pouf. Et pouf dans ta gueule. Ils peuvent dire pouf s'ils veulent. S'ils veulent. Pourquoi ils diraient pas pouf? Bon Fury, vas-y. Ils s'arrêtent pas. C'est pour ça qu'ils sont deux, parce que je pense qu'à un moment il est tout seul le gars, à un moment il meurt. Ouais. Ils ont plus le droit les mecs à la fin. T'as vu à la vitesse où ça va? Ouais. Surtout sur celui-là, sur qu'on a vu, il a des vaches. Mais lui, il est sur 360 d'ailleurs. Hein. Ouais. Sur Strike. Et il coûte que dalle, hein. Bah ouais, il est dans l'arcade. Participe, pré-shoot. M'emmerde lui. Patate, ça va, tiens. Là. Oui, oui, je l'ai eu. Qu'est-ce que ça me saoule les phases de pignolage de manette comme ça, putain. Moi j'adore le... Comment tu les appelles? Les pignolages de manette? C'est ça, les phases pignolages de manette. Attention, il s'énerve. Oh, il a un cercle dans le dos. Bah lui aussi il peut se mettre en furie, hein. Pas de raison. Bah non, parce que Simba après c'est chiant. Simba, comme le lion. Ouais, Simba. Lol. 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 Hurlement des ténèbres. Ouais. What else? C'est vrai, quand t'as une épée qui s'appelle Hurlement des ténèbres, ça fait classe quand même. Face your destiny. Face your fate. Stylé ça. Face your fate. Face your fate? Ah, face your fate? Encore un flashback? Non, pas un flashback. Ah. Deus. 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 Alors, je connais un. Okay, bon, je ne citerai pas le nom. Oui. Deux ex. Deus ex? Ah, il dit deux ex. C'est un peu tatoué? Non, c'est Ah! Voilà. Je dirais Raphaël qui sait, parce que. Voilà. Deux ex. Il dit deux ex. J'ai entendu dans une vidéo, il dit deux ex.
C'est Deus Ex. Donc si tu nous écoutes, c'est Deus Ex et c'est pas deux ex. Voilà. Oh, on peut pas tout, hein. On peut pas être parfait. Hein. Ah bah attends, à ma deux, hein. On a à deux. On a tous des petits problèmes. Voilà, on a tous un nom de jeu où on a du mal à le prononcer ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, enfin Deus dire deux. Bah, deux faire ex. La liaison avec ex, du coup deux ex. c'est quand même top quoi. J'ai deux ex, c'est bien. Ouais. Bah, écoute, cool, c'est cool. Donc là, il vient de couper un petit peu le pan de la lune en deux. Hop là, ça c'est une phase d'esquive, double esquive, triple esquive. Quoi, triple esquive? Donc là, il a chargé, mais il a raté. Moi j'adore, on s'en fout, mais j'adore regarder sur Audacity les barres de quoi on parle, parce qu'il y a des trucs très incongrus des fois. Hein. Comme. Très inopinés. Je sais pas, on dit, tu dis deux mots et ça fait genre deux pics. Deux mots, fort, ça fait deux pics. Alors que tu parles pas plus fort. Tu vois, genre des trucs comme ça là. Hop, regarde. Tu t'en bats les couilles de l'écran toi. Ouais, complètement, regarde. Ouais. Ok. Ouais, tu sais, sur la vidéo de 45 minutes, il y a des moments où il faut savoir faire une course pour... Ouais, t'avais même prévu d'aller pisser, toi. Attention, il est parti. Peut-être pourra faire un contre là-dessus. Non, mais je l'ai ça déjà... va vite, ça arrive vite. Moi-même, je l'ai déjà fait le combat, donc... Ah, excuse-moi, tu l'as vécu, peut-être. Hein, ça s'est passé comment? T'étais sur la lune, t'étais ou bien, hein? Connard, va. Alors... Mais que lui arrive-t-il? Hop, patate Sama, triple patate. Vite, il va se relever avant. Mais lui, oula. Non, mais il pourrait pas sprinter cet abouti d'Azur. Pas cher quand même, Auguste. Hein. Auguste. Donc là, il va me refaire ses conneries. Là. Alors, on voit que Azura, c'est pas Usain Bolt. Hein. Voilà. Bien lent. J'ai pas peur, moi. Qu'est-ce que tu me fais, toi? T'es fifou, toi. Hop, la double esquive. Qu'est-ce que tu me fais, toi? T'es un fifou. Aïe, mal, hein. T'as vu, j'ai perdu la vie. Tu dis que je perds jamais. Oui, mais t'en perds. Mais enfin déjà t'en récupères je crois en plus. Non mais ton père mais enfin il faut qu'il je mette 3 quarts d'heure à traverser tout le niveau. En plus je me prends les trucs dans la gueule. Mais cette musique j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue ailleurs que dans Azura. Bah oui c'est super connu comme musique je crois. Ouais mais c'est pas possible parce qu'ils ont pas eu le droit de prendre la même musique. Non mais ils ont dû changer juste deux petites couilles et puis voilà. Quoi peut-être hein. Je sais pas. Si vous aussi la musique comme ça. Putain, ça m'énerve. Si vous aussi ça vous dit quelque chose et autre chose qu'Azura, et bah faites-le nous savoir parce que voilà, c'est perturbant. Mais je suis perturbé. Déjà que j'étais perturbé mentalement, mais alors là. Combo 2 hits. Hein. C'est top ça, 2 hits. Attention, contre, ça va aller très vite. Voilà, boum. Combat plus sérieusement, il a dit. Mais j'ai des réflexes divins, qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, Fury, je le déclenche, je chope. Ah non, c'est bon. J'aurais qu'il faut qu'il se téléporte comme Yasha. Salaud! Pouf! Pour le téléportation. Pour le poulain. Pour le poulet. Il fait des grimaces bizarres. Ouais, il prend pas cher. Bah, tu regardes sa gueule. Non, mais c'est sa gueule qui est abîmée de base. Mais non, il y a des trucs noirs en plus, non? Non, non. Attention! Et clac, je bloque! Technique de match en ligne. Bah oui, au lieu d'éviter de bouger sa tête. Vaut mieux mettre les deux mains et bloquer l'épée comme ça. Bah oui, comme ça t'as moins de chances de prendre un coup. Non, je pense que t'as plus de chances de mourir. Putain, fais chier. Je sens qu'Azura a du mal là. Moi je trouve son épée elle est un peu cheatée, hein, mais bon. Oui, ça s'arrête quand? Jamais. Ah, allez, je perds des bras. Bon, mais il a l'habitude, Azura il aime bien. Bon, il va au monop, il en rachète deux, hein. C'est ça. Et voilà, on va retourner sur la terre en moyen de locomotion. Je désigne l'épée. C'est pas mal, on devrait essayer de se déplacer en épée comme ça. Ça va vachement vite. Le mec il saute quand même et il retombe sur la terre. Ça c'est beau gosse. Ouais, mais ils sont très rapides. Mm-hmm. Attention! C'est giga connu. Ah. Il a perdu deux bras. Il en a plus que deux. Comme tout le monde. Finalement, du coup, ce n'est plus un jeu. Bah quand même. Je combat sans S, bravo, super. Qu'est-ce que tu vas regarder les fautes d'orthographe dans les sous-titres? Tu fais chier tout le monde toi. Dégage, barre-toi. D'ailleurs tu fais des fautes des fois dans les titres. Je sais. Parce que t'as dit appelle-moi Shumi A2PEL. Donc j'ai modifié. je te le dis juste. Hein. Non mais je mets les trucs le soir, fatigué. Oui. Taras, voilà. Taras. J'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Taras, appelle-moi Shumi, je fais oui. Je te baise, voilà. Pour pas baiser quelqu'un d'autre, je te baise, voilà. C'était rigolo. Voilà.
Donc il traverse la Terre, hein. Je sais pas qui c'est qui était de l'autre côté, mais il a dû prendre cher. Sommes-nous si différents? C'est pas facile, hein. Ça pique un peu, dis-moi. Mercure chrome, le pansement des héros. Bon. Et lui, en fait, il descend depuis 8000 mètres, là. Félix Baumgartner, petite pédale, franchement. Comparé à ça. Oh, il saute de la Lune, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'aime, c'est qu'Azura, il a un truc planté, et voilà, tout le monde serait mort depuis, hein. Mais bon, Azura, je prends mon temps, parce que j'aime bien, et la furie. Il va casser l'épée en deux. Bon. Il a cassé l'épée. Comment, je suis trop fort? Et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, devine, devine, vite, vite, vite. Donc, Gus, il va la prendre, il va lui planter dans le cœur. Raté. Il craque avec les dents, et... Alors, il faut savoir qu'Azura, avec 6 bras, il arrive pas à le tuer, mais avec 0 bras, il y arrive. Ah, mais c'était bien vu, hein. Clac. Mais sauf que si c'est un vrai dieu, Auguste, il pourrait survivre aussi, comme Azura. Parce qu'Azura, il est déjà mort 15 fois. Est-ce que tu as déjà trouvé un truc logique dans le jeu? Non. Alors pourquoi tu demandes? C'est pas... Je suis con. Voilà. J'ai envie de dire... Hein? Truc à faire, soyons illogiques jusqu'au bout. Vers la chatte de nouveaux bras. Oui, c'est peut-être une solution, effectivement. Ah, on va voir un nouvel ennemi bientôt, je spoil un peu, mais au moins, tu vois, il y en a un paquet ou cinq, il y en a un nouveau. Qu'on ne combattra jamais dans le jeu, mais on va le voir. Ah bon? Ah, c'est dans les DLC? Non. C'est ça? Non, c'est dans les DLC. Ouais, il m'a fait beaucoup rire cet ennemi. Dans le sens où on dirait que les mecs, ils étaient en brainstorming. Ils savaient pas quoi foutre. Ah bon? Il y en a, il a lancé une idée de merde. Ils l'ont fait. Allez, on valide. Et pas prêt, ils sont pas prêts, il est plus rien, quoi. Après, tu le renvoies plus, le bordel. Ah, d'accord. Ah, mais ça, vous allez voir. Non, t'as le droit, c'est pas du spoil, là, t'as le droit de le dire, là. Vous verrez par vous-même. Je sais pas. Alors, non. Déjà, les poissons, les singes. Les rhinocéros. Ah, mais le poisson. Les mecs, ils ont pris un dépliant d'un zoo, ils ont fait, alors on choisit celui-là, celui-là, celui-là. Et puis les pauvres, ils sont pas allés dans un bon zoo parce qu'il y avait pas beaucoup d'animaux là-bas. Non, mais là, le prochain qu'on va voir, il est quand même assez phénoménal. Parce que des tortues, des singes et des poiscailles, Il y en a partout. Ils sont allés chez ma petite sœur, quoi. Ah bon. Il manque juste des singes, mais. C'est vrai. Hein? Les rhinocéros, il y en a pas. Non, et puis la tortue non plus, c'est vrai. Non, mais bon, c'est l'idée. Voilà. Ils sont allés à Jardiland, ils sont fait, alors, qu'est-ce qu'il y a à vendre ici? On va foutre tout ça dans un. Voilà, nouvel ennemi. Il est où, Auguste, là? Il est mort. Il est parti. Oh! 47 000. Alors, les autres, c'est en pourcentage, et puis lui, c'est des chiffres. Ça, c'est top. Elle a marché de son village jusqu'ici. Ferme ta gueule, c'était téléporté. Enfin, c'est pas logique, tu fermes ta gueule. C'est un truc de dingue. Ok. À tout moment, je peux décider de. Je l'ai pas fait. Bien. Je sais pas à tout moment. Un petit compteur. À tout moment, j'ai perdu. Donc là, il court très vite. Ouais, que tu ne peux pas faire en jeu, hein, parce que forcément, faut que tu mettes 3 ans avant d'arriver à l'ennemi. Et ensuite? Bah, elle essaye de courir très vite, mais elle y arrive pas, elle. Non, mais elle fait beaucoup de kilomètres par contre, très rapidement. Hein. Moi, ce que je trouve balèze surtout, vas-y, dis-moi, c'est qu'en fait, ils sont allés sur la Lune, ils sont retournés sur la Terre, et elle, tu vois. Ah, d'accord, bah il s'est fait buter l'ennemi en fait. Azura s'est énervé, c'est tout, et puis il l'a buté. Voilà. Ouais, c'est. Je sais pas quoi, ça apporte rien quoi. Oh là là, une grosse. En plus, c'est une grosse tortue en plus, ça encore. Hein. C'est un dinosaure. Il a le corps d'une tortue. Oui, c'est ça. Alors, un coup de Diplodocus. Et une tête de cobra. Je te dis, le mec il dessinait. Didier, vous êtes dormi? Non, j'ai une idée. Oh putain, vachement bien ça. Ouais, un cul. Quand est-ce qu'on pourrait mettre ça? Bah, tu sais, quand tu veux. Cinématique, hop là. Tiens, bah, mets-le tout de suite là. Voilà, tiens, hop. Tu sais, on était à ce moment-là du jeu, vas-y, mets-le, hop là. Donc, on va continuer encore un petit pas parce qu'on est chaud patate. Donc, oui, je disais. Que disais-je? Oui, je disais, donc la nana, elle s'est demandé avant de partir, ils vont être sur la Lune, et sûrement,
il y a une grande chance quand même qu'il retombe sur Terre à cet endroit-là du globe, et moi je vais y aller. Et la nana est arrivée pile à la fin du combat. Et ça, c'est si balèze. Tu connais la réponse, pourquoi tu poses des questions à la con, quoi. Et ça, c'est balèze. Bah, normal, c'est la base. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Tout va bien. Quelques jours après l'explosion mystérieuse, tu vois, on y revient. Donc, il a mis quelques jours à arriver jusque-là. Tu vois, normal, ça a marché. Quelques jours. Et on tombe sur Radio-Rac comme ça. Mais pourquoi Azura est-il comme ça? Parce que... Écoute, t'aurais demandé. Par contre, t'as vu? Son pagne bouge toujours. C'est normal, il y a du vent. Ses cheveux aussi, tu vois. La merde. Toujours manchot. Il a l'air... hein, il a l'air... Donc il arrête la clope aussi, parce que sans déconner, la respiration comme ça, c'est pas possible. Je suis là, on dirait vachement bien la petite fille, hein. Ouais, non, mais je fais, si tu veux, c'est comme Sakura. Enfin, ça, c'est les personnages, ils ne servent à rien, mais ils sont là pour dire des trucs évidents. Si, elle va servir, tu vas voir, très important ce personnage. Je décolle pas. Je vais regarder avec une tête, genre, fous de ma gueule. Non, je décolle pas, ce personnage-là est très important. Ah ouais? Oui. Parce qu'il est essentiel. Oui, bah oui, c'est... En fait, il est très important parce qu'il est essentiel. En fait, c'est une partie de l'esprit de sa fille. Non, tu vas beaucoup trop loin là. Je sais pas, je cherche des trucs un peu fouillés. Non, c'est juste une clodo qui lui fait penser à sa fille. Hein, mais... Ça va bien. Mais tu vas voir qu'elle a un rôle capital. Puisqu'elle va guider Azura. Pour pas dire. Enquête exclusive. Voilà. Chercher une blague de merde. Pour pas dire Guy Lagache ou je sais pas comment il s'appelle ce con là. Bon, là maintenant, évidemment, il va plus courir quand même. Maintenant qu'on joue. Bah non, puis en ouais. Plus il a plus de bras alors. Il faut quand même rajouter quelques heures de jeu. Oui, alors attention, quand il monte les marches... Ah putain, on peut même pas voir quoi. Vas-y. Balotoyage là. Quand il monte les marches, vachement bien fait. Aïna. Tu as arrêté d'imiter la petite fille s'il te plaît. Lokana na namandeo. Sore ga ne na. Namano awa. Il dit n'importe quoi, il fait genre mais il dit n'importe quoi. Ah, la dernière fois j'ai fait ça, il l'a cru quoi. Ah mais c'était magnifique ce que j'avais fait. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais moi non plus. Donc, il y a un japonais. Donc là, ils prient devant la machine. Non, mais alors, ils s'arrêtent jamais, eux. Hein. Tu leur fous une machine, ils s'arrêtent plus. Je vais leur mettre un grille-pain, je vois. Oh, le grille-pain. Le grille-pain. Oh, les tartines qu'ils ont. Oh, le toast. Allez, oh, c'est parti. Divinité, le toast. Allez. Mais Azura, en fait, c'est un. Dis-moi. C'est un robot. C'est un robot. Révélation. C'est un robot. Et merde. C'est un robot. Un robot qui a engendré la vie. Comme top. Ou c'est peut-être pas lui. C'est peut-être pas sa fille, en fait. Eh. Hein, non, mais regarde. Non, mais c'est vrai. Il a des bras robots. Oui, il a des bras robots. Pourquoi il aurait pas des bras robots? Ouais. Alors là. Pourquoi pas? Bah, justement. On va prendre la question à l'envers. Pourquoi pas des bras robots? Il en a, justement. Pourquoi pas? Bien. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Oh, t'as fini, oui. En fait. Je trouve que l'histoire elle est bien comme ça. Non, quand tu joues pour la première fois. Si. Ah, non mais même la première fois des fois tu trouves ça long. Hein. Mais c'est bien. Enfin le jeu est très sympa. Enfin je veux dire c'est un bon truc. Mais quand ils sont tous en train de tomber, c'est pour ça que ça fait ça. Non c'est pas ça. Mais... mais quand c'est quand tu fais attention et aux soucis de cohérence, bah finalement. Mais qui fait attention aux soucis de cohérence aujourd'hui, franchement? Bah nous. C'est vrai. Ça suffit. Azura a été repéré, bah oui, ça fait 4 plombes qui tuent des dieux. Et... Olga! Olga, vodka! Du Seigneur 2. Ça fait ridicule! Je suis 2, le chef des divinités. Envoyez la flotte. Non! Et là, il lâche de l'eau. Là, c'est un moment important, justement, où tu vas voir le personnage, il est important. Ah, hein. Il va mourir. Elle va mourir et après, il va s'énerver et du coup, il va niquer tout le monde. Voilà. C'est ça? Ça, c'est dur à deviner le jeu, hein. C'est ça? C'est abusé, quoi. Je le devine, je vous jure, hein. Bon, je vais boire un petit coup comme toi, moi. Il va faire quoi? Il va péter toute la flotte, il va défoncer. Tu vois, en fait, la transformation fait penser à un. La blonde, un héros. La blonde elle va fuir, on la verra plus jamais. Très bien. La blonde, elle va fuir au serviteur, on la verra plus jamais et après, il va affronter un autre boss. Non, ferme ta gueule là, tu. Non. J'essaye, désolé hein, d'être violent, mais. J'essaye de ta gueule, c'est fini, c'est le scénario. Bon. Je disais, il va se mettre en colère et il va me faire penser à un héros qu'on connaît très très bien. Sengoku.
Pourquoi tu lances Son Goku? C'est un héros qu'on connaît pas bien. Non, bah Krilin, il va faire un Kenzantoke. Un héros qu'on connaît bien. D'accord. Un héros que tu connais personnellement, qui vient souvent manger chez toi. Ah non, mais c'est une connerie. Je dis, en fait, t'es un pote. Je dis, comment tu veux qu'il fasse penser à un pote? Non, tu verras. Il va faire penser donc à Kratos. Donc là, j'ai une sans bras, tu vois. Coup de latte. Coup de latte. Et là, il y a un truc qui arrive dans ma gueule, là. Ah oui, c'est parce qu'il y a l'autre avec ses Kenzantoke, là. Alors, c'est possible de le loquer, s'il te plaît? Voilà, je te botte le cul. Et je te botte le cul. Alors, il a défoncé je te botte un Diplodocus géant en 5 secondes. Et il va nous falloir 5 minutes pour buter un Bouddha. Mais non, attends, je vais loquer les autres parce qu'ils envoient des trucs là, ces connards là. Là, eux. Tu peux les buter. Voilà, ainsi. Merde. Ah oh, bah voilà. Alors, je viens de foirer totalement. Au moins, tu auras rentabilisé ton jeu. On l'aura fait deux fois quand même. Ça fait déjà une fois de trop, j'ai envie de dire. Bah en fait, on s'attend à mieux, hein. N'est-ce pas? Finalement, Même au niveau de la critique. Parce qu'ils ont dit c'est oui, bien, boule. C'est. Ouais, mais enfin. Oh merde, c'est vrai, depuis. Ouais, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Pas rien de grave, mais. Ah, t'as pas répondu à quelqu'un au téléphone, c'est ça? C'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais ça, tout va bien. J'espère que c'était pas ton patron. Non, vas-y, je te laisse meubler deux secondes. Hein, Ouais, non, mais pas de soucis. Hein. De toute façon, les meubles ils sont à l'écran, hein, donc il se passe pas grand chose. Aïe, d'accord, on prend un coup de canon. Aïe, on prend un coup d'épée. Ça suffit. Ah bah tiens, il faut souffrir pour être fort. Succès déverrouillé. C'est bien parce que j'ai pourri ta liste de succès. Bah non, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ah, il est pas mort lui. C'est. Est-ce possible des muerto, señor? Oui, parce que je suis polyglotte, je parle plusieurs langues. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça. Ah bah Fury, tiens, hop là, petite cinématique, ça va faire du bien ça. Donc voilà, je vais foutre un coup de boule, je crois, au Bouddha. Voilà, coup de boule. À droite. Non, juste dans sa gueule. Ah bon. Donc il est mort. Bah donc c'était bien. Ah oui, c'était excellent. Hein. Ça ressemblait pas du tout à une phase qu'on avait déjà fait dans un décor qu'on connaissait. Donc là, avec il va les... l'avoir crevé, la nana. Alors, si tu peux éviter de raconter les trucs avant que ça se passe, surtout que c'est toujours pas le cas, là. Si, si, il va voir tout le monde par terre. Oh là là. J'ai envie de faire pipi. Et là, il la cherche, là. Il va se dire, mais... Je vais te faire pipi. Elle est où? Là, bah, donne-moi la manette. Non. Je suis professionnel. Donc là, voilà, il se prend des, un peu des missiles. Bon, tu te tais, ok? Tu vas pas gâcher le moment. Ceci est donc l'œuvre des dieux. Pas content. C'est moi qui vais te mettre une tarte si tu continues. Pas content. Tu te tais. Pas content. En même temps, Azura a raison. Après, il a raison, il a raison, hein, il a raison. Ouais, il a raison. Ah bah on l'a déjà vu celle-ci. C'est nul. Ouais, et bah ouais. Clac, 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 clac. La boire. La boire. Donc voilà, il se fait péter l'oignon avec les missiles. La boire, c'est une référence au dernier Astérix qui est sorti. J'ai soif. T'es boire. Bah, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Ouais, il est sympa, il est sympa. Allez voir Skyfall. Oh, regarde, 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 regarde. Oh, oh. Et pouf, elle va mourir. Il est content. Ascenseur émotif. Putain, il rigole vachement fort, hein. Ou alors ils ont mis un. Haut-parleur. Ouais, sur non, les vaisseaux. C'est sûr, c'est sûr. Attention, ça tombe. On envoie des suppositoires. Oh, mais ils sont gros. Hein. Il peut pas trop la mettre en sécurité parce qu'il va pas lui attraper les cheveux avec ses dents. Petite musique de la Ligue des Champions, ce serait nickel là. C'est un moment émouvant. Ah, ta gueule, d'accord, maintenant. C'est moi qui ferme ma gueule, ok. Ou Colgate.
Oompa Gangnam Style. Hop, hop, hop. C'est tout caché. Moi, c'est tout caché. En fait, c'est marrant, ça s'est fait très calme, genre, c'est... Il va pas être content, là. Tu crois? Mais alors, moi, je suis pas content non plus, parce que la nana, elle méritait pas de mourir. Bah ouais, mais bon, les dieux, ils s'en foutent, en fait. Hein. Non, mais après, l'histoire, il y a des fonds sympas, quoi. Tu vois, ça, c'est une bonne idée d'avoir mis ça. Puis c'est triste, tu t'attaches au personnage, tu as envie qu'il bute tout le monde, et finalement, ça te rend impulsif et cruel. Quand tu fais le jeu la première fois, t'es pas content non plus. Quand t'arrives à ce moment-là du jeu, tu fais putain les bâtards quoi. Fini, j'ai tué tout le monde. Ça va être un bain de sang. Ouais. Tu cries comme Azura dans ton Qu'est-ce qui se passe sans rien? Et tu t'ouvres la bouche, mais tu dis rien. Tu fais j'ai pas de bras qui pousse. Je vais crier plus fort. Tu fais comme dans la vidéo, tu. Attention, il l'a tu vu. Tu fais rien. Là, il l'a vu, il est mort. Il a une mâchoire solide quand même. Hein. Un héros bien connu. Qui fait ça? Non. Attends, tu vas voir ça quand sa gueule va changer, ça. Je pense que ça te fera penser à la même. Ah. Qu'est-ce que. Tu penses à qui ça? Ça? Attends, tu vas voir un peu mieux. Avec la couleur et tout. Ça me fait peur. Avec la couleur et tout. Moi au début ça me faisait penser à Spardam sur le côté avec la... Merde. Un héros qu'on connaît tous. Ah ça me fait penser à Naruto Kyuubi. Voilà quand il est en mode Kyuubi ça me fait penser à ça. Moi. C'est vrai, aussi oui. Qu'elle crève elle. Pardon. Donc là on est vraiment pas content quoi. Non tu vois là ça fait mal et tout. Donc... Oui c'est violent. Ok on va le vaisseau. Ah oui il est très violent là. Mais en fait là... Bon je vais pas spoiler parce qu'on verra ça après. Il est pas content. Voilà. D'accord en fait. Pas que je puisse... Voilà, j'ai envie... bloquer avec ça. C'est j'ai envie de dire au revoir la flotte un peu. Hein. Il douille un peu. Hein, Au revoir, merci d'être passé. Voilà, c'était gentil. Ça fait du vaisseau en moins, hein. T'imagines tout l'argent investi là-dedans, hein? C'est de l'argent gâché. Un petit peu, mais bon, ça va. Oh lolo! Ah, j'ai mon œil qui me gratte. Ah, ça, c'est dérangeant, hein. Ouais. Bon, bientôt la Fury. Voilà, Fury déclenchée, attention, il va... C'est la petite musique qui va bien avec, en plus, toi. Ouais. On fait un petit kiff, je crois, celui-là. Donc là, pas content du tout. Il a de gros bras, hein. Ouais. Il ne veut pas faire un bras de fer. Ah oui, oui, c'est... Ah, c'est ça. Là, c'est une boule bijou. Voilà. Ah oui. Ah, quand même, oui. C'est assez violent ce qu'il nous fait Zura là. Ouais, tu vois que c'est problématique aussi pour lui après. Bah comme Naruto quoi. Ça a des problèmes sur son corps. C'est ça? Exactement. En fait il se consume de l'intérieur à cause de sa colère. Comme Naruto quoi. Sauf que Naruto lui il s'éclate la gueule. Du coup il perd aussi des années de vie. Enfin, du temps de vie. Bref, voilà. Tu peux invoquer plus de points. Non. Tu peux invoquer jusqu'à combien? Au ding-ding en fait. D'accord, je peux pas, tu peux plus. Jusqu'au ding-ding, hein. On est désolé là, hein, on fait un commentaire assez. Hein. Bon, c'est-à-dire que là, voilà, on attend un peu. Nous sommes comme vous. Moi je regarde. Moi j'apprécie donc là, il fait un Kamehameha. J'apprécie cette phrase-là. Elle va mourir avec le mois là. Elle a tué la nana donc elle mérite. Oh là, il y a toute la flotte qui va être décimée, je le sens.
Badaboum. Donc Azura il fait beaucoup de dégâts lui tout seul. Et oui. Et encore on n'a pas tout vu. Ah bah battez en retraite, ça y est. Maintenant elle commence à... Bah ouais mais fallait pas le mettre en colère aussi, déjà qu'il est vénère à la base. Donc c'était ça le truc spécial. Voilà. C'est la colère en fait quoi. C'est ça. Enfin c'est... Il a... C'est pas ça en fait. Oups. Vas-y donc casse tout, vas-y. C'est la chute. En fait il y a quelque chose de particulier qui provoque sa colère. Bon là en plus c'était voir comme si c'était sa fille qui crevait. Mais il y a quelque chose de particulier encore. Ah bah en tiens plus. T'as vu c'était... Ouais ça a fait des trucs bizarres ouais. Voilà. Sur le diagramme. Ah. Le diagramme. Oui, c'est pas un diagramme, c'est pas grave. C'est un voice gram. Un voice gram. Donc là, bah là, il est toujours en colère. Je pense que c'est bientôt la fin de cet épisode spécial Azura, je pense. Il y en aura un autre hein. Ah oui, oui, il est toujours en colère. Hein. Il va pas se calmer tout de suite. Il paraît moins musclé comme ça. Oui, mais il est plus dangereux. Ah oui. Oui, nettement. To be continued. La continuité. Ah non, là ils nous font genre un casting, genre c'est fini là. Ouais. C'est fini. Hop là. Fin du jeu. Merci, au revoir. Ça c'est quoi? C'est comme pour dire c'est la fin de la saison 2? Je crois que c'est la fin d'un chapitre. Ils nous ont déjà foutu un générique. Oui. Donc la saison 1, la saison 2, voilà. Revenez en 2014 pour la saison 3. Fin de vidéo de 8 jours. Faut juste être patient quoi. Bon bah je pense que du coup on va s'arrêter là. Bah oui c'est très bien, fin d'un chapitre en plus. Voilà, et bah c'est on peut pas rêver mieux. Bon bah j'espère que vous avez aimé ça, donc là vous restez sur votre fin et nous aussi. Que va-t-il advenir d'Azura maintenant qu'il a fait tout ça? Approchons-nous de la fin. Va-t-il enfin aller au vaisseau mère et défoncer des housses? On s'approche pas tout à fait de la fin parce que là, il me semble que... Alors, connard, tu spoil pas, donc tu fermes ta gueule. Alors, en fait, je vais vous raconter parce que c'est important. Personne ne sait, moi non plus, donc tu spoil pas, là. Ok. Partie 2, la résurrection finie. Donc, que va-t-il se passer? Bah, si tu veux, je te raconte. C'est une question rhétorique. Ah, que va-t-il se passer? Je te raconte. Je crois que on va être plusieurs, on va péter la gueule. Bah, j'ai pas raconté encore, attends. Les têtes vont tomber. Ouais, il va falloir souffrir pour être fort. C'est les succès que j'ai débloqué. Oh là là. Oh la vache. Voilà, et on va. Je crois qu'on va même pas vous laisser sur la prochaine bande annonce. Bah non, parce que sinon ça spoil un peu, surtout en fait ce qui se passe. Et du coup, on va le savoir. Ouais, ça serait con. Et bah écoutez, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. On vous fera la suite Azura, comme ça en gros épisode. Si ça vous plaît, bah on continuera. Puis c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Puis comme ça permet de vraiment avancer, de voir quelque chose, quoi. Effectivement. Voilà. Bon bah écoutez, à bientôt. Bonne fin de journée, de soirée, de matinée. Bon appétit, bonne fin d'appétit. Bonne année. Bon anniversaire, bonne fête, joyeux Noël. On sait pas quand est-ce que vous la regarderez la vidéo, donc voilà. Au revoir. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Bisous, bye bye.